Bonjour, bienvenue à l'Agence spatiale canadienne. Welcome to everyone who's joining us online. Dans quelques moments, l'astronaute canadien David Saint-Jacques se joindra à nous en direct de la Station spatiale internationale. Ce sera la dernière opportunité de lui poser des questions avant son retour sur Terre, qui est prévu la semaine prochaine. Sa mission spatiale a été une occasion extraordinaire de susciter l'intérêt des jeunes Canadiennes et Canadiens pour la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Over the last several months, we've held events similar to this one across the country. Interacting with an astronaut who's live in space is a unique experience. Watching the faces of young people light up when they speak to David is really very special. In addition to these events, the Canadian Space Agency and our partners have offered a wide variety of activities, contests, and initiatives to reach outside of our usual audience and engage the most Canadians possible in this mission. L'une de ces activités était le concours Auteur créatif recherché. Cette initiative a été inspirée par David, qui est papa de trois jeunes enfants qui adorent se faire lire des histoires avant de se coucher. The objective was to promote the mission and space, but also to encourage an interest in reading and foster science literacy. Les Canadiens d'un bout à l'autre du pays ont été invités à écrire une histoire pour les enfants sur le thème de l'espace et à la soumettre à l'Agence spatiale. Over 600 submissions were received from across the country, with close to 500 of them coming from youth 9 to 16 years old. Today, we have the pleasure to have with us the 6 finalists of the Wanted Creative Writers Contest. Their stories are all published on our website and were sent to David, who was supposed to choose the winner. He enjoyed them all so much that we officially have 6 winners. Chloe Jones, Sarah Alfahed, Ariane Laroche, Fumaria Lorais, Guillaume Labbé, and Laura Clow. To present a surprise to our winners, I'd like to invite our special guest, Michael Groves, Senior Director, Ottawa Manufacturing for the Royal Canadian Mint, to come up on stage. Thank you, Andrea. The Royal Canadian Mint is proud to be working with the Canadian Space Agency and to be able to present today's Creative Writing Contest winners for David Saint-Jacques' mission with a special space theme prize. We are pleased to present to you, each of you, a convex $25 fine silver coin commemorating the upcoming 50th anniversary of the Apollo 11 moon landing. L'histoire derrière la mission d'Apollo 11 et derrière le motif de cette pièce repose sur une importante contribution canadienne. You'll see that the coin shows the iconic Apollo 11 lunar module, and if you look closely, you'll see the landing gear, which was designed by AeroDevTech, a Canadian company located right here in Longueuil, Quebec. So, the first thing to touch down on the moon was Canadian. Les paroles figurant sur la pièce sont celles de Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada à l'époque. Certains chefs d'État avaient alors envoyé des messages d'espoir pour la mission historique. Ces messages sont inscrits sur un disque de silicone d'à peu près la taille d'une pièce de 50 cents américaine, lequel fut laissé sur la surface lunaire. Trudeau avait écrit, « Man has reached out and touched the tranquil moon. » Puisse ce haut fait permettre à l'homme de redécouvrir la terre et d'y trouver la paix. There is even more to this Canadian tale, so you'll have to watch for more information on July 20th, the official anniversary. The Royal Canadian Mint and the Canadian Space Agency will have another surprise to commemorate this historical moment. Merci and thank you. Thank you, Mr. Groves. Let's invite our winners up to the front, shall we? Yes. So,
Pour la catégorie 9 à 12 ans, j'invite à l'avant Chloe Jones et Sarah Alphahed. Chloe Jones habite à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle est l'auteur de Vert et Rouge. Son histoire raconte celle d'Hugo, un Martien différent des autres, qui a toujours voulu visiter la Terre. Le jour où une fusée atterrit sur sa planète, tous les Martiens sont prêts à attaquer les deux astronautes. Mais Hugo les amènera à se questionner sur la raison de la venue des Terriens. Pluto, the dwarf planet, was written by Sarah Alphahed from Kitchener, Ontario. It begins when Pluto hears that he isn't a planet anymore, but he's a dwarf planet. When all the other planets make fun of him, he tries to be like Saturn, Jupiter, and many others, but it doesn't work. Thanks to the sun's wise advice, Pluto finally realizes that he's special in his own way. Thank you. Ensuite, pour la catégorie 13 à 15 ans, j'invite à l'avant Ariane Laroche et Fumaria Lerice. Le roi du ciel a été rédigé par Ariane Laroche de Sherbrooke, Québec. Elle raconte l'histoire de trois rois qui régnaient sur le monde et contrôlaient l'eau, la terre et le ciel. Après avoir vu plusieurs étoiles filantes, le roi du ciel souhaite comprendre pourquoi ces étoiles s'échappent. Il visite alors les deux autres rois pour trouver la réponse, mais c'est une rencontre avec un pêcheur qui l'éclairera. Fumaria Lerice from Amherst, Nova Scotia, is the author of Space Day. What does Hunter decide to do when school is closed? He's going to space with his friends Rex, the dragon, Troy, the wolf, and Sam, the snake. They put on their spacesuits, build a rocket, and launch. They land on Mars and have a lot of fun until an unexpected problem forces them to quickly get back in the rocket and return to Earth. Et pour la catégorie 16 ans et plus, j'invite à l'avant Guillaume Labbé et Laura Clow. La goutte qui voulait déborder du vase de Guillaume Labbé de Gatineau, Québec, est l'histoire d'une goutte d'eau qui désire s'envoler dans l'espace. Elle débute son périple dans un nuage pour se retrouver dans le corps d'un astronaute et éventuellement dans l'espace. Cette goutte nous permet de découvrir que le cycle de l'eau suit son cours tant sur Terre que dans l'espace. The Lionheart is by Laura Clow from Ottawa, Ontario. Once in a galaxy not so far away sat three constellations, Orion, Leo, and Cassiopeia. This story starts with Orion teasing Leo and telling him he's not a real lion. While thinking about what he can do to prove himself, a rocket in flames crosses Leo's path, and his actions show him that the true meaning of courage lies within. Une bonne main d'applaudissements pour tous nos gagnants. Et un grand merci à Monsieur Groves et à la Monnaie royale canadienne pour leur participation à cet événement spécial. We are now just moments away from connecting with David on the station. Just confirming how much time we have left. Looks like we have mission control. We have one more minute. So I don't know if any of you are following us on social media, but David is getting ready for his return now. They were doing some leak checks on their Sokol suits earlier this week, and we're really at the end of the mission. Voilà. Houston, this is station. I'm ready. Canadian Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is the Canadian Space Agency. How do you hear me? I hear you loud and clear. How are you? Hello, everybody. Welcome on board Space Station. David, thanks for joining us today. Ici, nous sommes en bonne compagnie
avec nos invités spéciaux, les 6 gagnants du concours Auteur créatif recherché et M. Groves, représentant de la Monnaie royale canadienne. On vient tout juste de leur présenter un prix de reconnaissance, la nouvelle pièce de collection qui souligne le 50e anniversaire de Apollo 11. Est-ce que vous vouliez leur dire un petit mot? Certainement. Merci beaucoup pour l'opportunité. Bienvenue tout le monde à l'Agence spatiale canadienne. Bienvenue à bord de la station spatiale. Et ça fait plaisir de parler à vous tous, les gagnants du concours d'écriture. J'ai eu beaucoup de joie à lire vos histoires. It was a great pleasure to read all these stories. Congratulations to all the winners and all the participants of the writing contest. I have young children myself, and it's something that we like to do. I can keep reading stories to them, even from space. J'ai eu la chance de lire vos histoires à mes enfants. Et donc, c'était un grand plaisir. Félicitations. Continuez à utiliser votre créativité. La créativité, l'imagination, c'est la base de la part de tout ce qui est positif dans la vie. Congratulations again. Les représentants des médias ici ont beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les questions. Hi, Mr. Saint-Jacques. It's so many highlights in the last 6 months, cosmic catches and spacewalks. Can you tell me a little bit about your most memorable moments in this over this six-month period? And what are your final days going to be like on the International Space Station? Sorry, you clipped that towards the end there. Can you repeat the end of the question? The question was just your biggest highlights over the last 6 months and what your final days will be like wrapping up on the International Space Station. So yes, I think so the final days on Space Station, less than a week left. It's very hard to believe. It's been an incredible, incredibly full mission. And so much activity going on, both in terms of science and in terms of operations. You mentioned the spacewalk, a capture, the arrival of the first version of the next generation of crew vehicles. And mostly it's been an incredible human adventure with our crew here, initially 6 people and then 3 left. We were left with 3 of us for a long period, and then 3 more people came, a whole new atmosphere on board. And as we're ramping out, what I'm doing for the last few days is really trying to soak it all in, if you want, because I know that comes the day I go back to Earth, I will have to pinch myself. I think it will all feel like a dream. I will be maybe wondering if it all really happened. So I'm trying to burn it into my memory as much as I can. Oui, bonjour, Anne-Louise Despatie de Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Saint-Jacques. Outre le grand bonheur de retrouver votre famille, si on va dans la catégorie des petits plaisirs du quotidien, une ou deux choses qui vous ont manqué dans l'espace et que vous allez avoir très hâte de refaire sur Terre. Bien, d'abord, je veux réitérer que ce dont j'ai plus envie, c'est de prendre ma femme Véronique et mes enfants dans mes bras, prendre mes enfants sur mes épaules. Je ne suis pas prêt à ça encore. Après un peu de réhabilitation, je vais sûrement être capable de les prendre sur mes épaules. Mais dans les petits plaisirs de la vie, j'ai hâte de sentir le vent sur mon visage, l'air frais, le vent. Le soleil, on en a quand on regarde par la fenêtre, mais on n'a pas de vent ici. Ça me manque. Pourquoi? Mais l'autre fois, j'ai vu une photo d'un feu de camp et ça m'a vraiment touché. J'ai hâte de revoir la lueur du feu au coucher du soleil. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, eh bien, repas en famille, repas entre amis, juste me promener dans une ville où il y a beaucoup de gens. Ça, j'ai hâte de faire ça, me promener sur la rue où il y a beaucoup de gens. Ici, c'est toujours les mêmes visages. Heureusement, c'est des gens qu'on aime. Bonjour, M. Saint-Jacques, Marianne Lapierre de TVA Nouvelles. Comment on se prépare à ce retour sur Terre? Est-ce que vous avez des appréhensions? Et quelle est la première chose que vous allez faire lorsque vous serez de retour à la maison? Thank you.
Oui, alors comment on se prépare? Bien, d'abord, il y a tout un volet technique, comme vous pouvez imaginer. Hein. C'est pas bénin revenir sur Terre. On tombe littéralement du ciel. Alors, il faut le faire de manière sécuritaire, toutes les manœuvres dans la capsule Soyouz. Alors, on est en train d'étudier ça avec mon commandant Alec pour être sûr qu'on soit à la hauteur de nos procédures. Il y a le côté technique, donc, à régler. Et sinon, psychologiquement, la préparation, bien, je pense que le plus important, c'est de s'assurer qu'on part de la station serein, sans sentiment de regret, avec l'impression qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. C'est comme ça qu'on s'assure d'être sur Terre disponible pour reprendre la vie d'où l'on vient, en fait. Et la première chose que je vais vouloir faire en revenant, je crois qu'en atterrissant, ça va te donner un coup de fil à ma femme. Donner un coup de fil à Véronique avec un téléphone satellite, ça va sûrement être la première chose que je vais vouloir faire. Et lorsqu'on va rentrer à la maison, je vais peut-être être tenté d'aller dans la piscine parce que la gravité, je m'attends à ce que ça soit un peu pénible au début. Donc, dans la piscine, on peut flotter. Peut-être que je vais me retrouver un peu comme ici. Bonjour, Monsieur Saint-Jacques. Fanny Rohrbacher de La Presse. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui va le plus vous manquer de la station spatiale? Alors, ce qui va me manquer d'abord, plusieurs choses. La vue, hein, certainement. J'étais encore, juste avant l'entrevue, à la coupole, à regarder défiler l'Égypte sous mes yeux, par exemple, c'est ce que je voulais voir. Donc, la vue de la Terre, de sa beauté impressionnante, sa grâce, en fait, alors qu'elle roule comme ça doucement dans le vide de l'espace, avec la petite couche bleue de l'atmosphère qui nous garde tous en vie. Il y a un sentiment de force tranquille, en même temps de fragilité et de responsabilisation. Donc ça va me manquer. Et puis ensuite, ce sentiment de privilège de représenter un peu tout le monde à bord ici, d'avoir cette chance incroyable de participer un peu à l'expansion de nos connaissances. Ça va sûrement me manquer. Et puis l'équipage. Mes frères et sœurs d'armes, comme on dit, on est beaucoup plus proches que des collègues, on est plus proches même que des amis. On est vraiment devenu un peu une fratrie. Ces gens-là vont me manquer. Cette expérience-là, c'est quelque chose qui va toujours rester. Bonjour, Annie Guillemette du 98.5. Vous l'avez dit, vous allez bientôt tomber du ciel. C'est pas un retour à la maison exactement facile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chicote ou qui vous tracasse un peu sur ce voyage-là qui n'est pas de tout repos? Oui, ben, il y a deux aspects, si on veut, médicaux particulièrement pénibles, m'ont prévenu mes collègues là, expérimentés. D'abord, après 6 mois ici dans l'espace, hein, sans les effets de la gravité, j'ai appris à voler, j'ai appris à me déplacer dans tous les sens, sans aucun inconfort. Et techniquement, la raison pour laquelle c'est possible, ça, c'est parce que mon oreille interne qui ressent l'effet de la gravité, c'est comme si mon cerveau l'avait débranché. Donc, j'ai perdu le sens de l'équilibre. Et c'est ça qui nous permet de ne pas être nauséeux ici à bord en orbite. Mais lorsque je vais revenir sur Terre, la gravité, je ne pense pas que ça va être mon ami au début. J'anticipe me sentir un peu vacillant, devoir tenir la main de quelqu'un pour marcher droit, peut-être être nauséeux, peut-être avoir aussi des problèmes de circulation sanguine, tout le sang qui va vouloir retomber dans mes jambes sous l'effet de la gravité. Il y a ça, puis aussi un effet musculaire aussi, un autre aspect. J'ai grandi dans l'espace de quelques centimètres, justement parce que ma colonne vertébrale s'est redressée complètement. Il n'y a presque plus de courbure. Chaque disque s'est élargi. En revenant sur Terre, je vais m'écraser encore sur l'effet de la gravité. Et ça, il paraît que ça peut être pénible. Donc, techniquement, c'est ces deux aspects-là que j'anticipe avec plus ou moins de joie. Amanda Klein with CTV. Can you say that a little bit in English, just how you've changed in space and how you're going to sort of readapt once you're back on Earth? And also, if you can explain or just tell us a bit about what you're most looking forward to when you come back. Okay, so first off, things to look forward to and not to look forward to going back on Earth. The things to look forward to, of course, are reunification with my family, my friends, my loved ones. I cannot wait to take my wife, Veronique, in my arms and take my children on my shoulders. Taking my children on my shoulders might have to wait a little bit of rehab because I'll be weak, I think, when I come back. And the bad aspects of space flight on your health is that, on the one hand, I have learned to fly.
So I've learned to make flips and I can be upside down. It doesn't bother me anymore. That's because I basically lost all sense of gravity. I've lost all sense of balance. When I come back to Earth, I'm going to need to learn to walk again. I'm going to be holding someone's hand, probably. I might be nauseous or easily disoriented. That's something I'm going to need to probably take days or weeks before that gets back. And also aspect is I have grown a little bit. My spine has kind of elongated, and every disc in my vertebra has kind of, you know, expanded a little bit because there's no gravity to squish you down. But when I come back to Earth, immediately, I'm going to be squished back down to my original size, and that can be quite painful, I'm told. So I'll be careful. Looking forward, perhaps, to jumping in the pool, because there in the water you can float, and it's quite comfortable. Maybe it will remind me of being in my days here in space. Dr. Saint-Jacques, Rémi Autier de Radio-Canada. Bon, la mission spatiale, ça a été une expérience incroyable pour vous, un privilège, mais vous avez fait des tests scientifiques, vous avez eu un travail à faire sur la station. De quoi vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous pensez qui va être l'héritage que vous allez ramener de cette mission-là dans l'espace? Bien, je pense que le plus important des vols spatiaux, c'est la perspective que ça nous donne tous. Donc, j'ai le privilège de porter cette perspective-là en moi. Donc, s'il y a un héritage que j'espère laisser, c'est d'avoir partagé cette perspective. Perspective de à quel point notre planète est magnifique et fragile et on doit en prendre soin. C'est notre responsabilité pour les générations à venir. Perspective politique aussi. Vous voyez derrière moi les drapeaux de tous les pays qui ont contribué à la construction de la station. On est ici un groupe de représentants de diverses nations qui, pour lesquels c'est pas toujours rose sur Terre. Hein? On sait qu'il y a des tensions politiques, ce sont des réelles tensions. Mais l'espace est un endroit où on arrive à démontrer à chaque jour que lorsqu'on décide de mettre de côté nos différences et se concentrer sur ce qu'on a en commun, on peut faire des miracles. On est capable de travailler ensemble. Et ça, c'est un message très porteur d'avenir pour moi. Je suis particulièrement fier d'avoir pu participer à cet exemple quotidien qu'on peut travailler ensemble, les êtres humains. Et lorsqu'on le fait, on accomplit des choses extraordinaires. Donc, c'est un message un peu pour les générations futures. Notre planète est belle, fragile. Prenons-en soin, explorons-la. Et on est capable de travailler ensemble. Il n'y a pas d'excuses, il faut juste faire l'effort. Bonjour, Hugo Duchesne, Journal de Montréal. Quel a été votre plus gros défi pendant vos 6 mois dans l'espace? Bien, d'abord, il y a eu un défi d'adaptation. Hein. Ça a pris plusieurs semaines avant que physiquement, mon corps s'adapte à cet environnement. C'était très désorientant au début, autant dans l'espace que dans le temps. Tous un petit peu nauséeux au début aussi à cause de... Notre cerveau ne comprend pas ce qui se passe avec où est la gravité, qu'est-ce qui se passe, où est en haut, où est en bas. Pour ça, il y a un côté psychologique, s'adapter à vivre dans cet environnement ici. On est extrêmement occupé dès le jour 1 et il faut apprendre comment tout fonctionne. On a eu beaucoup d'entraînement au sol, mais il n'y a rien comme l'enseignement pratique. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un temps où les équipages qui s'en vont peuvent enseigner aux équipages qui arrivent comment fonctionne la station. Donc ça, c'était un grand défi aussi d'apprendre à devenir fonctionnel à bord. Puis finalement, bien, on a appris aussi comment vivre, comment ma famille et moi, on a appris comment réaliser cette existence-là à distance, comment garder le lien vivant pour que ce soit une belle aventure pour tout le monde au bout du compte, pour que ce soit positif. Et ça, c'est peut-être c'est le secret, hein, de réussir à jongler. C'est une chose d'être un bon astronaute, mais c'est une autre chose de le faire en restant un bon mari, un bon père, un bon ami, un bon fils. Jongler toutes ces balles-là, c'est le défi de tout le monde dans la vie. Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada, bonjour. J'aimerais savoir, les prochains jours jusqu'au 24 juin, décrivez-nous comment vont se dérouler ces prochaines journées et votre atterrissage, quels seront les risques et quelles seront les manœuvres? Donc, les prochains jours vont être... c'est un mélange d'activités normales de la station, si on veut, des expériences scientifiques, d'activités d'entretien, de l'équipement, ça n'arrête pas. Mais en parallèle, on fait nos bagages.
Donc, il faut surtout pas laisser de traces. C'est un peu comme la règle du camping, hein, quand on dit qu'il ne faut pas laisser de traces. On peut prendre des photos, mais pas laisser de traces. Même chose à bord. Les prochains équipages qui arrivent, il faut que je sois invisible pour eux. Donc, on fait le tour, on a les ordinateurs, nos équipements personnels, nos vêtements, tout ça. Après ça, bien, on peut ramener quelques objets sur Terre précieux, donc dans le Soyouz ou dans une prochaine capsule cargo qui redescendra. Donc, il faut bien pacter ça pour que ça se rende. Et puis... les préparations théoriques, je dois étudier beaucoup parce que toutes les procédures de retour sur Terre en Soyouz, il faut les maîtriser au bout des doigts. Je les maîtrisais il y a 9 mois quand j'ai fait mes examens de certification, mais il faut bien réviser. Alors, on passe beaucoup de temps ces temps-ci avec l'équipage à s'assurer qu'on revient. C'est comme un changement d'esprit, là. On est plus, faut redevenir d'un équipage de Soyouz pour pouvoir revenir à la maison de manière absolument sécuritaire. Et lorsque ça va se faire prendre quelques heures, on va retomber sur Terre, littéralement. Et après avoir traversé l'atmosphère, ouvert les parachutes, on va atterrir au Kazakhstan. On va être récupéré par les équipages de russes et ils vont nous amener à un aéroport. Et là, on va revenir directement à Houston pour être réunis avec notre famille. Bonjour, Paul Therrien au Journal de Montréal. On s'approche du 50e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11 et j'aimerais savoir quel effet a eu sur vous cet événement historique et comment les derniers mois ont changé votre perspective par rapport à l'alunissage et les astronautes et la mission Apollo. Oui, c'est un événement extraordinaire. Hein? Et moi, j'étais pas né pendant l'alunissage d'Apollo 11, mais ma mère était enceinte de moi. Donc, je sais pas si ça s'est transmis par le liquide amniotique et le cordon ombilical. Mais on a tous entendu, tout le monde a une histoire à raconter de ce jour-là. Moi, Apollo, ça a toujours été un peu un mythe dans ma tête d'enfant. Ces images de la Terre vues de la Lune, ça a formé mon idée de ma perspective du monde, vraiment, ma perspective de l'esprit d'aventure et d'un genre de modèle à suivre. Je me faisais une idée de ce qu'étaient les astronautes et je me disais, je serais d'être le même genre de personne. Je resterais en forme, j'irais à l'université, je serais un aventurier, un explorateur, j'apprendrais des langues étrangères. Et c'est comme ça, ça m'a guidé un peu, tout ça. Et depuis que je suis dans l'espace, que je vois le ballet des planètes, la Terre, la Lune, le Soleil qui tournent l'un autour de l'autre, on dirait que tout ça devient plus familier. C'est comme si je voyais le sentier qu'ils ont pris en montagne. Je me mets à leur place quand ils venaient d'être mis en orbite autour de la Terre. Et là, après ça, quand on a allumé les moteurs une deuxième fois pour les pousser vers la Lune, je me plais des fois à fantasmer, à imaginer qu'on fasse ça nous-mêmes ici. Et ça va se reproduire bientôt. Les prochains voyages sur la Lune sont au tournant. Bonjour David, Philippe Mercure de La Presse. Quand vous allez quitter la station dans quelques jours, avez-vous l'impression que ça va être un au revoir ou un adieu? Pardon, ça a coupé. Est-ce que vous pouvez répéter? Je voulais savoir, quand vous allez quitter la station, avez-vous l'impression que ça va être un au revoir ou un adieu? Bref, êtes-vous ouvert à une autre mission plus tard? Excusez-moi, je vais vous demander de répéter encore. Alors, David, la question était, est-ce que lorsque vous allez quitter la station, c'était un au revoir ou un adieu? Donc, êtes-vous ouvert à une autre mission? Oui. On part toujours d'ici, c'est une règle des astronautes, on part toujours en disant adieu parce que on décide jamais, hein, c'est pas nous qui décidons, on est ici comme représentants de nos nations respectives, on est ici comme opérateurs, on est ici pour effectuer une mission organisée par d'autres, c'est la mission de tous les Canadiens que je suis ici, que j'ai le privilège de représenter. Donc c'est toujours plus sage de partir en disant adieu et de se préparer à revivre tout ça en souvenir seulement. Et puis, ce que l'avenir apporte, ça, je ne sais pas, je n'ai pas ma boule de cristal, mais je sais que c'est tellement été intense comme aventure, c'est tellement imprimé dans ma mémoire que ce ne sera pas difficile de fermer les yeux et d'y revenir virtuellement.
Maintenant, peut-être que ça va m'apparaître comme un rêve. Ça, je ne sais pas si je vais arriver à y croire. Nous avons avec toi aujourd'hui. On doit se dire au revoir ou bien à bientôt. Et on te souhaite un bon retour sur Terre. Merci beaucoup, tout le monde. Thank you, everybody. See you soon. So that completes our event for today. I'd like to thank everyone who joined us today here in the room and on social media. If you don't already follow the Canadian Space Agency on social media, don't wait. We hope you'll join us next week on Monday for David's return to Earth. Only 5 days to go, 12 hours, and I'm not quite sure how many minutes. Merci à tous et toutes. Restez à l'affût pour tous les détails entourant le retour sur Terre de David, prévu lundi prochain. Merci et bonne journée. Je vais juste inviter les auteurs à monter sur la scène et on prendra une photo de groupe.